Un hôtel de ville, maison des Beaumontois et centre associatif Beaumontois, ben c'est, on est sur une de ces parties. Il y a la zone qui est en face, nous vous l'avons dit, et je l'évoquais tout à l'heure à travers la résidence senior. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre à bras le corps dans un projet d'ensemble, parce que pour le coup, ça sera un projet très structurant sur la ville de demain, la manière dont on le fera. Moi, j'ai vu avec inquiétude réapparaître dans le document présenté aujourd'hui par idée donc unie de circonstances, la résurrection ou la résurgence, je ne sais pas quel est le terme qui convient le mieux, d'un projet, j'espère que ce n'est pas celui de 2014, qui prévoyait l'instauration de 251 logements sur la rue de l'Hôtel de Ville. Vous multipliez par 1,5, ça vous donne à peu près le nombre de voitures que ça va faire, quand on connaît le taux de saturation aujourd'hui. Et je crois qu'on ne peut pas parler d'aménagement d'un quartier sans prendre en compte, a priori, tout ce qui touche à la mobilité à l'intérieur.